quel joli château! 29 degrés, un temps exceptionnel. Pour la famille Lahaye, originaire des Sables d'Olonne, c'est journée à la plage. Je suis baignée, je fais un château de sable et j'ai mangé. C'est le réchauffement climatique, hein? Alors c'est vrai que, bon, on peut se poser des questions, mais en tout cas, on peut en profiter aussi. Les plus courageux peuvent se baigner dans une eau à 16 degrés. Il fait tellement chaud que finalement, on peut pas rester sur la plage sans aller se baigner, quoi. C'est pas possible. Dans la région, le mois de mai n'a jamais été aussi chaud depuis 1945. Les locaux voient les touristes affluer. Alors certains pourraient dire il y a trop de monde, mais en même temps, c'est une station balnéaire. C'est sûr que les gens, ils ont envie de se baigner. Ils ont, comme nous, on a envie de profiter de la plage, on a envie de se baigner et on peut le comprendre. Pour se rafraîchir, certains choisissent la méthode gourmande, une glace artisanale. C'est comme en été, c'est plein, c'est joyeux déjà. C'est un avant-goût du mois de juillet et du mois d'août, en espérant qu'il fera beau également à cette époque-là. Ce n'est pas la chaleur qui démotive les danseurs. Au programme, atelier Zumba. C'est beaucoup de bien, du coup. Donc on transpire plus vite, et donc ça fait encore plus vite d'effet. Puis après, on ira plonger dans l'eau. Demain, les températures devraient revenir à la normale, avec 19 degrés prévus au Sable d'Olonne.